Camille, dis-moi, depuis combien d'années on se connaît? Et faites du son avec l'eau. Depuis combien d'années on se connaît? Je sais pas, depuis notre enfance. Ah, et comment se fait-il que c'est toi seul hein, qui a la possibilité d'avoir moto? Tu as même carreau chez toi, tu as même l'argent pour payer deux garis en ce temps-là. Mais comment tu fais? C'est pas bien. Non, remue ta partie, laisse ma partie. Mais comment tu fais? Dis-moi. Je travaille. Sinon, si tu travailles, on n'a pas tout se tenter ici. Est-ce que tu peux faire? Je vois, je ne peux pas faire. Moi, je parle, tu manges. Hein. Mmh. Tant tu prends pas ce que je dis au sérieux, dis-moi ton secret. Dans la vie là, pour mieux vivre, vivre hein? Caché. Comment vivre caché? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien vrai, on a tous grandi ensemble. On n'a pas tous les mêmes projets. Quand je t'appelais souvent, on me dit viens avec moi, on t'allait quelque part. Tu me disais souvent non. Mais j'étais petite... dans les bises, j'étais dans les dos. Maintenant, les bises, ça ne te pas dans l'argent. Okay. Et maintenant, pourquoi toi tu as envie de ce que moi maintenant j'ai? Mais toi, moto, tu dois me garer. C'est chez toi, je viens toujours manger. Toi, mais là, tu regardes ma situation. Tu veux connaître mon secret? Mais pourquoi es-tu là? Mange d'abord. Hein? Après, ça va finir ça. Je vais aller te montrer mon secret. Mais laisse le garer faire un peu de trucs là d'abord. Tu es trop pressé. Non, mange. Mange. Je vais te montrer ça après. Comme tu peux le voir, je fais de l'élevage. L'élevage? Depuis quand? Je savais que tu aimais la viande du poule, mais je savais pas que tu allais élever, manger autant. Ah bah ouais, c'est ce que je fais. Ah ah. Eh oui. Ah, c'est bien, j'élève ça. Des poules pondeuses, tu vois. Eh, j'ai ça quand, hein? Je cherche le piment en même temps. Mais non, c'est pas à manger, j'élève. Regarde par exemple, ça donne des œufs. Et les œufs, je les vends. Je vends des œufs par dizaines, par centaines. Quand tu me dis que c'est des œufs, tu vends et tu as tout ça. Bah oui. Quand tu vends des œufs et tu as tout ça. Après, je vends aussi des poulets fermiers. Viens voir. Tu vois, je ne me repose pas. Il y a des poulets fermiers, j'achète des poussins que j'élève et tout, tu vois. Et c'est une entreprise que j'ai développée depuis 2 ans. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ma situation est un peu plus stable que la tienne, je veux dire. Tu vois. Donc, ce que moi, je peux te proposer, tu es mon ami. Je ne peux pas te laisser comme ça. Viens travailler avec moi. Travaille avec moi. Pendant 2 ans, 3 ans, tu mets de l'argent de côté. D'accord? Ensuite, tu prends cette économie-là. Tu réinvestis ça dans la ferme. Attends, tu t'entends parler. Regarde l'endroit. Est-ce que moi, je peux travailler ici? Est-ce que je peux travailler dans... moi, je ne travaille pas ici. Ah, oublie ça, c'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Comment tu vas me demander de devenir, d'aller travailler dans poulailler? T'as même entendu le nom poulailler. C'est pour manger, oui. C'est bon, je t'ai dérangé. On ne prend pas un pour gérer. Allons-y. Ce qui est là-bas, déjà, il y a rien qui est. On va boire le garé quand je sais faire ça. En 5 minutes, j'ai déjà déplumé tout ça. Hein. Ici. Donc, tu me salues ta femme. Hein. Oh, mon frère, laisse, je ne vais même pas rentrer tout à l'heure. Merci pour le garé. Merci pour le garé. Allez. Oh, Camille, il y a un truc. Hein. Tu peux me gérer un petit truc là. J'avais pris un truc chez le voisin, quoi. Un petit 20 000 là. 20 000. Oui, je viens de te proposer de venir travailler chez moi. Mais là, tu me demandes 20 000. J'ai pas. Caca. L'argent qui me reste là, c'est pour soigner mes poules. Je dois aussi les nourrir. Camille, donc, c'est j'ai moi. Pas, hein. J'ai pas. Camille, je vais te rembourser. Caca. Qui est encore ça là? Allô? Allô, Jojo? Josué? Hein? La plupart de mes poules sont mortes. De quoi? La grande majorité. Si tes poules sont mortes, c'est quoi le rapport avec moi? Comment ça, c'est quoi ton problème? Tu es le seul de mes amis que j'ai ramené dans mon enclos. Parce que je te faisais confiance. Qu'est-ce que tu as fait, mes poules? Comment ça se fait que je te les ai montrées hier et aujourd'hui elles sont toutes empoisonnées? Attends, hein, je suis vétérinaire. Je suis vétérinaire pour savoir ce qui s'est arrivé à tes poules. Faut pas m'énerver. Hein. Là où je suis dans un monde pas possible. Hein? Oh! Allô?
Allô? Attends. Il m'a accroché au nez. Mais chérie, qui a-t-il? C'est Camille là. Moi, je lui ai demandé 20 000 liens pour régler la voisine. Et il a dit qu'il n'a pas. Alors que je sens bien, je sais, j'ai ressenti qu'il avait l'argent. Camille est venue t'absenter hier. C'est ça. Il nous a amené une poule. Poule. Celle que tu viens de manger là. C'est un cadeau de Camille. Je t'ai déjà dit, tu vas me tuer dans cette maison. Et c'est ça, je vois comme ça. Aïe! J'ai mal! Mal comme ça. Hé! Hey.